Salut, salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un tag. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tag et donc ce sera le tag Snapchat. Donc avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que moi Snapchat je l'ai pas depuis très très longtemps, je l'ai depuis quelques mois et donc je ne connais pas toutes les fonctionnalités de Snapchat et du coup je ne pourrais malheureusement pas répondre à une question, je crois. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la première question est: qu'est-ce que tu as posté dans ta dernière story? Et donc bah je vais vous mettre directement les images plutôt que de vous parler, ça sert à rien. Je te le dis, tu as un sourire au coin de mes voix. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Question numéro 2, quel est ton filtre préféré sur Snapchat? Donc mon filtre préféré c'est celui-là où on se croirait à Hawaï en fait. On a une petite fleur là avec des petites plantes au-dessus et je trouve ça hyper hyper beau. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances avec ce filtre et vraiment c'est un très beau filtre. Sinon l'autre que je pourrais vous dire, il y en a un autre que j'aime bien, c'est avec des petites étoiles, comment ça s'appelle, des petites paillettes qui tombent et etc. Et franchement ça fait partie de mes filtres favoris. Question numéro 3, quelle est la personne que tu suis le plus sur Snapchat? C'est Sanana. Franchement Sanana elle met des snaps presque tous les jours. Même tous les jours elle en met, je crois. C'est rare qu'elle en mette pas. Et franchement c'est des petits trucs qui durent pas longtemps, mais voilà, elle nous montre en gros sa vie. Elle met vraiment des trucs des fois n'importe quoi, mais voilà, je trouve ça cool, j'aime bien regarder les snaps de Sana. Sinon sinon bah vu que je l'ai depuis pas très longtemps, les personnes que je suis c'est j'ai trois de mes potes en fait que je suis, sinon c'est tout. Après j'ai quelques stars que je suis, mais voilà, je suis pas beaucoup de personnes. Question numéro 4, si tu devais suivre un personnage d'Harry Potter, lequel ce serait? Et je dirais, je sais pas, Emma Watson, parce que c'est la plus belle du film on va dire. C'est vrai qu'elle est canon Emma Watson en fait. Mais ouais, ce serait elle. Mais je sais même pas si elle a un snap, je pense pas. Enfin s'il y a cette question, c'est qu'ils en ont pas je pense. Question numéro 5, quelle est ta plus grande peur sur Snapchat? Cette question j'ai du mal à la comprendre en fait. Je sais pas trop quoi répondre, mais il y a un filtre qui me fait flipper. C'est le filtre, je crois qu'il est en ce moment d'ailleurs sur Snapchat, je vais vous le faire. Parce que sinon je crois que je vous le ferai jamais. Et en fait c'est un filtre où vous avez des bestioles qui sortent de la bouche. Mais je crois qu'il y a... Ah non il y est pas. Ah il y est pas, j'aurais dû le faire hier quand il était... Il y est plus. Il faudrait que je vous le fasse quand il y sera. Non il y est plus. Il y en a un autre, on est dans la forêt. Ça a du mal à faire, je vais prendre une photo vite fait. Voilà. Et celui-ci, oui il est... Sans plus quoi, ça fait un petit peu morbide, mais sans plus. Mais celui-là avec les bestioles qui sortent de la bouche, il est très... Dès qu'il se remet sur Snap, je vous mettrai juste ici pour que vous le voyez, mais il est vraiment horrible. Enfin bref. Question numéro 6, quelle nouvelle fonctionnalité aimerais-tu voir sur Snapchat? Et c'est cette question que je ne sais pas quoi répondre. Vu que je ne connais pas toutes les fonctionnalités de Snapchat, je ne pourrais pas répondre à cette question. Voilà, c'est vraiment une question, je pourrais pas vous répondre. Même en cherchant bien, je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs qu'on peut faire sur Snapchat et que je ne sais pas encore, donc je veux pas dire de conneries. Voilà. Et enfin, question numéro 7, un truc commun que tu postes sur Snapchat. Donc moi sur Snapchat, je poste que des vidéos, soit avec des filtres,
soit je suis en train de chanter. En ce moment, c'est beaucoup ça. Je poste que des vidéos où je suis en train de chanter, en train de faire la folle. Je ne sais pas pourquoi, mais je poste que ça en fait. Donc un truc commun, non, voilà, c'est juste vous me voyez en train de faire des délires toute seule chez moi. Voilà, c'est quand je m'ennuie, j'ai rien à faire. Soit j'utilise les filtres, soit je chante. Voilà. Donc voilà pour cette mini vidéo. Enfin mini, elle a duré 6 minutes, 7 minutes à peu près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, dont Snapchat. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.